YouTube et bienvenue pour cette nouvelle rediffusion d'épisode, rediffusion du Let's Play découverte décoration d'intérieur. On va retrouver notre petit Kurt qui s'est octroyé un dimanche sans travailler. Bon, il a rien fait, hein, vous inquiétez pas, il a regardé les trucs de zombies, voilà. Parce que ben, il était trop tard pour reprendre un petit contrat, donc on va en reprendre un. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, rénovation de pièces, rénovation d'étage. Ah bah c'est tout. Ok. Ah, oh, Okada. C'est chez Daishi? Ah non, je crois pas qu'il y a Daishi dans cette partie. Faut pas déconner. Bah voilà, on fait quoi? Une rénovation de pièces? Ou rénovation d'étage? Alors, j'ai peur pour l'étage, parce que si on se tape la baraque comme on a eu la dernière fois, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai tellement vu mon prénom passer tellement de fois. Ah oui, Tundra? Coquine. Je suis la seule Béatrice et j'ai plusieurs surnoms car je n'ai pas su tout synchroniser. Ah! C'est pas grave. Daishi est partout. Non, non, pour le coup, normalement, il n'est pas du tout dans cette partie. Donc, on ne devrait pas le croiser. Mais bon, Okada, j'ai l'impression qu'il y a plein de foyers PNJ un peu au pif qui s'appellent comme ça. Donc. Non, non, Daishi n'est pas dans toutes mes parties. Non, non, il y est pas. Il est bah, dans le Decades et dans le Legacy. C'est déjà pas mal en vrai, parce que c'est deux gros challenges bien longs. Donc il s'est incrusté, voilà. On est nul ou on l'est pas. Merci, je note. Vous avez donc le petit vote pour savoir si on fait une rénovation de pièces ou d'étage. C'est vous qui choisissez. Ah, et c'est l'heure de la pub, puisque Céline a décidé de vous mettre une pub, donc, eh bien c'est parti. Bien sûr, je remercie toutes les personnes qui verront une petite pub à la place de ma tronche, comme ça, ça vous allégera les yeux. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous avez vu une pub, puisque ça soutient le stream. A tout de suite. C'est parti. Donc nous avons une rénovation de pièces, très bien. De toute façon, c'est le même budget. On fait vivre Daishi. Merci Marine pour l'abonnement à Justine. 53 abonnements. Mais tu vas être ruiné un jour, toi. T'auras plus d'argent. Je parle pour moi, je parlais de ma synchronisation. Oui, je sais, Béa. T'inquiète. Béa ou Naïs? Je sais pas comment dire ton pseudo, en vrai. Je voudrais pas vexer, en fait. Ça fait longtemps que je t'appelle Béa Naïs, mais on sait jamais. Merci beaucoup Marine pour l'abonnement à Justine. Un gros bisou à toi. Laisse-moi, il est boule. Merci beaucoup. Peut-être comme ça, elle va s'arrêter. C'est continu, Marine. Donne de la thune. L'argent. J'avoue, merci. Ouais, mais après, on va dire que je pousse au sub, tu sais, que je veux de l'argent, nanana, nanana. Salut, Léonie, comment vas-tu? Merci, Ondine, pour ta pub. Merci beaucoup. Enfin, pour la pub. Ah, mon Dieu. Il y a Jamie qui s'est réveillé. Alors, est-ce qu'on va chez les jolis? Est-ce qu'on va chez les Tinkers? L'argent. Ça va, Léonie, ça va bien. La moula. Rien ne m'arrête, vous avez tout essayé. Oh là là. Salut, Tandori, comment tu vas? Tu es la seule qui m'appelle bien. Ah, c'est vrai, Léonie? Ça me fait plaisir. Bah, je me suis dit, ça fait Béa et Anaïs en même temps, donc c'est peut-être pour ça. Donc, je sais pas. Bon, il va y avoir peut-être un chaton qui va venir s'agripper à ma tronche, hein, mais ce qui s'est réveillé. Et que là, et bah, il traîne. Fais un tirage au sort. Est-ce que mon Google, il fonctionne maintenant? Ok, Google. Hey, Google. Hey, Google. Choisis entre 1 et 2. Non, c'est pas ça. Ok. Choisis entre 1 et 2. Super. Mais je... Non, mais je veux pas ça, moi. Je veux le OK Google qui parle. On se fait chier, là. Casse les couilles. OK Google. OK Google.
Choisis entre 1 et 2. Dis Siri. Non, j'ai pas Siri, moi. J'ai pas d'argent pour un Apple. Et j'ai pas envie de me faire arnaquer. Ça marche plus. Ça, je sais plus. Bah, en fait, j'ai pas, je sais plus. Alors. Je sais pas. Hé, hey, Cortana. Cortana. C'est horrible, Cortana. Merci d'activer le mien. Mais moi, ça marche même pas. Hey Google, choisis entre 1 et 2. Dites-moi si votre... il dit quoi, votre Google? Ok Google, choisis entre 1 et 2. Je vais installer Roulio, mais je commence à trop l'aimer. N'importe quoi. Oh là là! Alors attention, 2, 1, 12. Bah, Quentin, t'es éliminé. Alors... 2, 1, 1, 2. Le mien dit 2. 3, mon héritier est éliminé. 42. 21, t'es éliminé. 42. Et ben c'est le 2. Allez, c'est chez les Tinkers. C'est parti, mon zizi. Donc c'est lundi à 9h, hein, évidemment. En ce temps-là, va se faire un peu chier, va lire un bouquin. Il est 19h. Attendez, je vais le faire aller courir. Ça l'occupera. Nous aussi. Comme ça, il sera crevé et puis il ira dormir. C'est intéressant, cette course à pied, vous voyez. Hein. Attends, tu peux pas récolter des trucs, là? Vas-y, décolle une affiche, chercher des boules. D'ailleurs, on a placé le truc de mug la dernière fois, mais il n'y a pas eu de conséquences, en vrai. On n'a pas reçu de thunes et tout, j'ai pas l'impression. Enfin, déjà, on a reçu zéro thune. N'est-ce pas? On a placé le truc des mugs et voilà comment on nous remercie. On a fait un placement de produit. Et ils nous payent même pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'arnaque, les Sims, c'est de l'arnaque. Voilà. Va jouer sous la pluie, Biquet. Regardez, il est fatigué, il va pouvoir aller dormir, il est 21h, c'est un peu tôt, mais bon. Ça, on aura de quoi faire. Hein. Hop, vas-y. Pour le social, c'est pas grave. Il fera ça demain. Avec ses clients, il sera content. Voilà, j'allais dire poil à quelque chose, mais comme je savais pas. Un petit pipouze, une petite envie de pipouzer là, hop, et puis dodo. 22h. C'est vraiment très tôt quand même. Ça a levé mon portable pro. Putain, mais moi ça marche même pas. Vous imaginez un peu. Et coucou Lydie, je sais pas si je t'ai dit bonjour Lydie. Le mien, elle a dit elle peut pas se taire, elle. Oh là là, Marine! Ah! Ok Google, quel châtiment pour Marine? Il t'offre le produit déjà, moi j'ai eu un écran plat. Il t'offre le produit? Ah oui! C'est ça! Super! Allez, on va le mettre là. Par contre, ça, je vais tout jarter. La fessée, bien sûr. Évidemment, la fessée. Magazine pour décoration. On va mettre ça dans son salon. Il y a déjà 10 000 merdiers dans son salon. Oui. Ok, bah tu vas les mettre là. C'est quoi toutes ces merdes? C'est tous les trucs que... Il y a 10 chaises, là. Wesh, on est riche. C'est vrai qu'on peut récolter de la thune de chez les clients, en fait. C'est assez simple à faire, hein. Ça, c'est moche, quand même. Des bouquins, je veux bien. Mais trop peu d'infos. 1000 boules de M. Il arrive. Hein. Il est pas loin, chaton. Petit chaton mignon. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Il peut pas aller de se coucher? Ah, les voisins, ils font du bordel. Bah, va regarder la télé. Il écoute du métal! Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Incroyable. Le mien, tu dis le supplice de la cale. Oh, sympa! Ça marche pas. Tiens, tiens. T'as le bon facile, toi, en ce moment. Depuis que j'en ai fait deux.
tu peux rien mettre dans l'inventaire, je crois, en réno. Oui, mais en fait, genre, c'est, si tu supprimes une commode, et ben les trucs qu'il y a sur la commode en déco, ben ça, ça atterrit chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens la croquette. Bonjour, Jamie. Bonjour, Jamie. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Un gros bébé encore. Hein. Ouais, mais moi, c'est, j'avais pas capté non plus, Marie, parce que je disais, ouais, de où l'inventaire, parce qu'on n'a pas accès, tu vois. Mais c'est après, on m'a dit que ça allait dans l'inventaire de famille, effectivement, là, tu vois, j'avais plein de trucs, alors que c'est pas moi qui l'ai mis. Ouais. Chat, 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 chat. Mais tu sens la croquette, là, tu m'as foutu de la croquette partout. Petit bonhomme, oui. Ah, et puis il met son nez tout mouillé là dans le cou. C'est pas ce que je préfère, hein. Tu sais ça. Oui, il ronronne. Mais... Il a fait un gros dodo tout seul, mais bon. Ouais, il va être bien crevé, hein. En même temps, il s'est levé à 5h du matin, là. Non, 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 tu me bouffes pas la bouche. Oh, Tyrion doit être dans la chambre, de toute façon. Non, me lèche pas le cou. J'aime pas ça. Je suis pas zoophile, moi, Biquette. Hein. Je suis pas ta mère non plus. Enfin, je suis ta mère, mais humaine. Putain, c'est, ça se voit que c'est un Lannister. Hein. Il a des mœurs bizarres, quand même. Hein, hein? T'es bien le fils de... T'es bien le frère de ta sœur, toi. Salut, les mon gars, comment vas-tu? Merci. Enfin, c'est pas vraiment un... C'est pas vraiment ça, en fait, mais merci. Merci beaucoup. Mais il est trop cute, mais j'aime pas qu'il mette son nez mouillé dans mon cou. Voilà, je trouve ça pas... Cette petite... Petit cœur. Ah... On va se taper une petite branlette après, non? Pardon. Oh, quelle est vulgaire. Google, c'est quasi quand tu dis qu'est-ce qu'on regarde ce soir et qui me balance le programme TV. Mais arrête, et il me mord mon collier, genre il veut bouffer la chaîne, c'est un fou. Je vous jure, hein, c'est un dingo. Faudrait que j'arrive à le filmer quand il court partout comme un taré. Hein? Eh, t'es un fou. Tu m'étonnes que Tyrion, il veut pas s'approcher de toi. Celui-là, il est mignon et tout, hein, vous inquiétez pas, il a pris la confiance. Hein. Arrête de faire ça. J'aime pas. J'aime pas, j'ai dit. Nya. Nya. Elle aime pas. Maman, elle aime pas, elle a dit. C'est bon, va te pioter, là. Ou j'aurais pu aller voir le voisin, ça va, il est 1h du matin. Ah, c'est pas si tard que ça. Ça fait super bizarre. Bah, non, bah, c'était la surprise, tu vois. J'ai rien dit. J'ai rien dit à personne. Et puis, bah, je me suis dit, ceux qui me connaîtront, bah, ceux qui me connaissent me reconnaîtront. Et puis, voilà. Je peux te dire qu'à 17h, j'ai coupé tous mes réseaux. Je fais... On va voir. Alors, dans 1h... Il va se lever, hein. Il va aller bouffer. Je sais pas s'il aura le temps d'aller pisser. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi ces gambettes, là. Ces petites papates. Regardez-moi ces petites papates. Hein, c'est pas trop mignon, ça? Regardez-moi cette bouille. Qu'est-ce qu'il... Et il a grandi, hein, regardez. Il tient encore dans une main, mais c'est quand même un peu plus gros. Hein. C'est un peu plus gros que d'habitude. Dans 2 mois, il va être... Allez, je le repose parce que... Va faire ta vie. Il est temps de décorer. Mettons-nous au travail. Oui, les ronrons.
La blague de Cortana, quel est le con pour un geek être privé de sortie? Oh! Belle maison! Belle maison, ah, tiens, ça c'est une tenue du pack. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, présentation respectueuse. Il y en a une, elle a fumé de la chicha, je le sens. Ou de la Ouija. Bah, elle aussi, elle a fumé de la Ouija. Ouais. Ouais, c'est propre, hein. Bon, bah on aura une belle baraque à faire. Ça, je pensais qu'on allait faire ça rapidement, mais pas du tout. Je mettrai pas 2 heures. Pas déconner, on ira vite. On ira vite. La Ouija, c'est Marie. Ma Marie, faut te faire tourner, hein. Alors, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer? Plus, elles sont shootées. Donc, il faut pas faire confiance à ce qu'elles vont dire. Pourquoi ça disparaît, ça? C'est très perturbant. Ils ont allégé le... C'est très bizarre. Ah, c'est un petit peu bugué. Parce que là, ils vont dire « Ah ouais, moi j'adore les bleus !» Et puis finalement, les bleus, ils vont faire « J'ai été drogué quand j'ai dit ça ben !» Voilà. Donc, il faudra faire le contraire de ce qu'ils ont dit. On pose une plante et c'est plié. On va avoir les inspirations, discuter des styles de décoration. Ils sont 2 du coup, j'espère. Ils sont pas 40 000 à... Après, c'est... Donc, nous sommes donc à Evergreen Harbor. Là, il y a les appartements et il y a la maison là. C'est dommage qu'on ait pas toutes ces petites maisons de dispo. Qu'on soit un peu limité au niveau des places. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, petite Lily. Tu fais bien ou tu fais nawak? Eh ben, tu peux lancer un sondage. Comme ça, je saurai vers quoi me diriger. Est-ce qu'on fait correctement la rénovation ou alors on part à l'encontre de leur demande? Ouh, comme c'est joli. Je me suis trop penchée au-dessus du vide ordure. Et je suis tombée sur une nouvelle voisine. C'est la voisine qui fait toujours du bricolage. Dans ma partie décoration d'intérieur, j'ai mis plein de maisons de la galerie de Maxis. J'ai aussi mis les foyers qui vont avec. Oh, bon, allez, franchement, c'est pour l'idéal, mais... Je vais regarder après, avoir demandé des trucs. Demander à voir les inspirations. Demander à voir le tableau Sim-terrestre. Comme ça, je ne saurais pas qui a aimé quoi. Ou qui n'aime pas quoi. Le sondage est lancé pour savoir si on respecte ou si on fait nawak. Parce que l'idée de faire la piscine avec les transats dans la maison vide avait bien plu. Donc à la limite, ça pourrait être sympa. Je dis ça, je dis rien, mais si on veut voir les autres contrats, faut faire bien. Oui, j'avoue, Tundra, c'est vrai. Oh non, Titi, c'est de V aussi, mon garçon. Est-ce que nous avons tout ce qu'il nous faut, poilot d'eau? En tout cas, il n'a pas eu le temps de bouffer. Ah, on avait aussi demandé de tester, d'aller aux toilettes. Ah oui, examiner les cabinets d'autrefois. Bah, tu vas examiner et tu vas les utiliser. Ah! J'avais pas vu! Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une nouvelle fonctionnalité du jeu? C'est un animal? Ah, c'est vert, donc c'est pas un poussin. Pourquoi il y a un animal vert? C'est quoi un animal vert? Une piscine dans la cuisine comme dans le trailer. Ah oui, j'avais oublié ça. Je vais faire une croix au calendrier. N'importe quoi. Mooch. Mais vas-y, elle voulait voir son zizouille. Mon dieu. Ça ressemble pas à un cheval, Jamie, pas. Ça ressemble pas à un cheval? Bah t'as pas vu ce qu'il y a dans la couche encore. Oh, Shirley, mais qu'elle est vulgaire. Oh là là.
Viens, il va aller bouffer dans le frigal. Bah, attendez, on m'a demandé de tenter de faire ce genre de truc. Hein. Donc, un repas rapide. Pff, du lait bleu. Du lait vert. Hot post popcorn mix. Donc, le pissou est fait. Ça n'a pas l'air d'avoir plu, mais ils ont rien dit encore. Bon, c'est humain hein, d'aller pisser. Hein. Prendre à bouffer dans le frigo, c'est autre chose. Il faut travailler le ventre plein, les enfants. Salut Yoshi, comment vas-tu? Moi, ça va bien, et toi? Horreur et damnation à bébé. Ah, c'est ça? Ah, je savais pas. Il y a une fois sur deux, un bébé, c'est moi. Bah, tu sais, ils se reproduisent vite. Hein. Encore un bébé qui va gueuler pendant toute la réno. Mais j'espère que ce sera pas là-haut, parce que ça veut dire qu'il faut que je bouge le gosse. Non? Oui, il y a toujours le sondage, il reste que quelques petites secondes. Pour savoir si on respecte les choses ou pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent nous engueuler? Oh, il fait une déclaration d'amour, c'est trop beau. Alors, nous avons, j'aime le jaune, j'aime recherche et débat, et je n'aime pas le bricolage. Ah, et on fait les choses correctement à 55%. Ok, très bien. Alors, faut faire partir le client, parce que bah, sinon ils vont nous casser les pieds. Oui, dégagez de là. Tu vas venir là. Après, faut que je rentre dans le... Parce qu'en fait, avant de prendre les photos, faut que je sache s'il faut que j'aille en haut ou en bas. S'ils le disent. Donc on va aller voir ça. Eh ben écoutez. Merde, excusez-moi. Je suis vulgaire. Aucun nouveau carrelage est autorisé, mais je peux faire les tâches que je veux. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi, maintenant? Le haut, le bas, Je ne sais pas. Maison jaune, du coup. Ouais, c'est ça. Merci, Malia, pour ton follow. Bienvenue à toi. On fait le haut. C'est vrai qu'à la dernière fois, on était obligé de faire le bas. Et en vrai, le haut, il n'y a rien. Mais regardez comme c'est moche. Je retoucherai absolument pas au bas au mur. On peut pas, en vrai. Enfin, si on peut, on peut pas ajouter de pièces, ni de carreaux, c'est ça en fait le carrelage, mais c'est affreux. Donc ce serait pas mal de tout revoir. On peut faire 3 chambres. 3 belles chambres, et ça passe quoi. C'est ah oui, c'est rénovation de pièces, c'est... On a fait... Et pièces seulement? Oh, bon... Bah écoutez, bah je sais pas, on fait quoi? Chambre? Chambre, cuisine, salon, faites-moi voir un peu. Bah de toute façon, tout est dégueulasse, donc on pourra faire ce qu'on veut. Ah, avec la belle baie vitrée comme ça. La bow window, c'est assez sympathique le petit salon là. Bon, là ils ont... Ou alors ça a sauté, mais ils ont... Ah non, il y a une cheminée, d'accord, c'est ce que j'allais dire, ils ont une vue sur rien, donc c'est magnifique. Mais à voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu te compliques la vie, petit rayon de soleil. Les votes, salle de bain, t'as jamais fait. Salle de bain, non, on n'a pas fait. Salle de bain, on a ça. C'est ça, la salle de bain. En vrai, on peut mettre du jaune, ouais, dans la salle de bain. Salon ou salle de bain? Allez, go! Salon ou salle de bain? Petit sondage rapide d'une minute. Comme ça, c'est facile. Et puis c'est, pour la rediff, ce sera moins insupportable. Parce que ça fait déjà 23 minutes et nous n'avons pas commencé. Ou chambre du bébé. Non, bébé. Congélateur. J'espère qu'il y aura les congélateurs avec la campagne. Va pour la salle d'eau. Tant que c'est pas le salaud. Parce que le salaud et la salle d'eau... La salo, la saldo, le saldo, la salo. C'est parti pour le petit sondage, n'hésitez pas à voter tout de suite, rapidement, puisque c'est très rapide. Pour entre la salle de bain et le salon, et bien sûr, c'est la majorité qui l'emportera, comme d'habitude. Et les perdants seront tristes et devront RT. Parce que quand on est RT, si c'est triste, évidemment. Tout à fait, René. Bon, Guillaume, 22h17. Bonne nuit, petite enfant Guillaume. Tu veux que je te raconte une histoire pour pas que t'aies peur des monstres sous ton lit? Des monstres sous le lit.
des petits poussins avec des énormes canines qui vont te choper les pieds et ils vont te bouffer lentement, lentement, lentement. Et voilà, la salle de bain a gagné à 86%. C'est good. Alors, tu vas venir prendre photo. Avant. C'est parti. Seconde croix pour moi, qui suis la majorité. Ben, GG. Alors, bon, on va faire ce qu'on peut, parce que c'est petit peu exiguit. Ah, merde. Oui, ça marche. Ah, oui, ça marche. Juste, je vais prendre en grand format, même si on s'en fout, parce que dans le jeu... Il s'encarre le coquillard. On va prendre une photo là. Non, là. Ouais, non, ça... Ça, ça c'est bien. Peut-être en hauteur aussi, comme ça. Faudra que je me rappelle de comment j'ai pris la photo, parce que pour faire l'avant-après. Et peut-être, ouais, du coin comme ça. Je pense que c'est pas mal aussi. C'est un peu bizarre, mais... Ok. Et attendez, ça veut dire recherche et débat dans la salle de bain. On devra mettre un pupitre. Et merci Mibo, Mibou, Maibou pour ton follow et bienvenue à toi. Ah bah. T'es pas obligé, on a dit qu'on faisait les choses correctement, c'est-à-dire pupitre et jaune, hein. Bon, c'est comme ça la vie. Allez, c'est parti pour la réno. Nous allons déjà vendre les objets. Alors c'est très rapide parce qu'il y a quasiment rien. Ah, j'ai mon jeu qui est déjà en train de ramer. Voilà, nous avons vidé la salle de bain, c'était hyper compliqué. Salut Maibou, Mibou, n'hésite pas à me dire comment on dit ton pseudo. Avec les non, en hauteur, c'est pas les flèches, c'est la lettre E. Et le A, c'est pour aller en bas. C'est la même chose que pour les touches tab. D'ailleurs, il faut toujours que je vous fasse la vidéo du mode tab. Putain, si Anana n'est pas là pour dire, ben, je l'attends encore. Ça fait longtemps que je vous l'ai promis, celle-ci. Hein. Des fois, je me dis, je pourrais la faire. Et puis, je me dis, ouais, mais... Et puis, voilà, je trouve des idées, enfin, des excuses en mousse. Il faut vraiment que je vous la fasse. Alors, carrelage jaune, couleur jaune. Ah oh merde, on n'a pas plus jaune que ça. Non, si, si, si. Ça, c'est pas jaune. Attends, ils m'ont mis le bleu, là. Ah oui, là. Là. Oh. Je suis un peu déçue. C'est pas beau. Pas de nouveau carrelage, madame, si j'ai bien compris. Visage tirant la langue. C'est pas ça. C'est le carrelage, c'est... En gros, il y a une mauvaise traduction. J'ai vu ça sur Twitter, ou je sais plus où je l'ai vu. La restriction de carrelage, en fait, de pas ajouter de carreaux. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci, Maibou. Maibou. Maibou, et ben voilà. Maibou a complètement dit ce que j'ai dit juste avant, et qui donc... voilà. En gros, c'est juste pas ajouter de carreaux à la pièce. Ou même à la maison. De toute façon, on peut pas créer de mur. On peut pas créer de mur, mais par exemple, si je fais ça, bah, c'est pas bien. C'est pas bon. Ça compte comme... voilà, on n'a pas le droit. En gros. Mais c'est une mauvaise traduction. Les touches du clavier, j'y arrive jamais. Du coup, je dis que la souris... Après, ça devient une habitude, en vrai, quand on connaît les touches. Il y a les touches directionnelles pour avancer, reculer, aller sur les côtés, ça, c'est les flèches. Mais pour monter en hauteur et descendre, ça, c'est A et E. Après, vous pouvez faire Z, Q, S, D, je crois, mais moi, je n'utilise jamais ces touches-là. Donc, j'utilise que A et E. On peut changer les fenêtres. Bah, en fait, après, ça dénature le reste avec le reste, donc je ne change pas. C'est con, c'est plus drôle qu'il y ait restriction de pas carrelage, quoi. Bah ouais, mais bon. Marde. Je fais déjà n'importe quoi, moi.
Alors, bon, j'ai mis ça en carrelage parce que bah, c'est le seul qui je trouvais plausible, pas mal. Ici, on va filtrer également avec du jaune. En carrelage, s'il vous plaît. Alors, on a bien avec Riyad, mais... Il y a du vert avec. Ouais, ça me dérange pas, j'aime le vert. Mais le client va-t-il aimer le vert? Vous avez 2 heures. Putain, mais en jaune... Ils ont quoi d'autre en mur jaune qui pourrait faire l'affaire? Ah, mais si, on peut mettre les trucs de... Comment ça s'appelle? Spa. Qui sont jaunes et qui font carrelage. On a les carrelages là. C'est pas des carrelages en vrai. On peut mettre des tôles. Une salle de bain en tôle jaune. Ça marche pas? Je suis déçue. RT. C'est triste. Ah mais ils le mettent pas en jaune en fait? Ça, en fait, je pensais à ça. C'est pas jaune ça. Oh bah y a pas grand chose en jaune. Hein. C'est ma chanson. Bon, c'est bien ça. Shirley elle est contente. Oh ça c'est moche. Là t'as pas de jaune. Bien sûr on est tombé sur la couleur qu'il ne fallait pas dans une salle de bain. On peut tenter de faire un truc plus... Voilà, partir sur du blanc et accessoiriser en jaune. Bah, le truc avec Salvadorada, t'as quand même d'autres couleurs avec. T'as du rouge et du bleu et du saucisson, tu vois, c'est un peu... Moi, je pense qu'on peut partir sur blanc. Et les accessoires seront jaunes. Il y a grave moyen de faire, ça va faire joli. Voilà, mur blanc, comme dirait Marie, tu vois. Je me suis assise à faire un challenge, une pièce, une couleur, et ben une catastrophe. Ah ouais, mais ça, j'ai pas envie de le faire, ça. Ça marche bien, hein, par contre, hein. Ça, c'est la mode. Oh, je comprends pas que les gens puissent... Ils le voient 15 fois, et ben ils continuent d'aller regarder. Après, c'est du contenu facile, hein. Je parle pour les créateurs de contenu, évidemment. Hein. Alors, il est encore en train de cracher. Bah, oh, il y a ça? Pourquoi il ne le propose pas? On sait... Ouais. On garde en blanc, non? Pam, pam, pam. Il y a plus fin au carreau. Ah, celui-là, je l'aime bien. Il est moderne en plus. En vrai, moi, je pense que je vais rester. Attends, je vais vous mettre la lumière parce qu'on voit. Kutchi, comme on dit. Par chimie. Bon. Oh. Avec le carrelage. Vie du saucisson. Pas faux, c'est lassant à force. Mais c'est comme les challenges coquille vide. On fait une coquille et puis vous devez le faire, c'est ça. Mais ça marche. Bah, on voit que ça marche, alors on le fait. Bah, en fait, ils considèrent pas comme jaune. Mais on peut le mettre, hein. Est-ce que vous préférez en espèce de oh, on va dire jaune, jaune pisse, jaune pisse, non pas pisse. Ou blanc. Ouais, moi je regarde pas du tout les vidéos construction et challenge de construction. Notamment je suis nulle, mais c'était dans mes recommandations. Non mais pas de soucis, après vous avez le droit de regarder. Moi juste, c'est l'engouement en fait de masse, on va dire. Après vous avez le droit de regarder. Et moi je trouve ça pas intéressant. En fait je l'ai fait, mais j'avais fait que blanc, le one couleur en fait, il y a longtemps par contre. Un speed build.
J'avais fait une maison toute blanche. Ça match plus avec le sol, donc on garde comme ça? Ou blanc? Attention, dans 10 secondes, j'aurai tranché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, blanc. Vous êtes plus pour blanc, hein. On est plus sur blanc, d'accord. Je sais, il y a le décalage de 10 secondes. Allez, ok, on reste sur le blanc. C'est parti. Motitouni, bah, c'est mon garçon. Alors, on va leur faire une belle salle d'eau quand même. On va faire une belle salle d'eau avec baignoire et douche. Lavaballe, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a en jaune? Faites-moi voir vos... Oh oui! Oh oui! Ah, après c'est laid hein, le reste. Hein. Ils ont pas... Ils ont des douchettes jaunes. Ah, douchettes baignoire. Ouais, mais je vois qu'il y a les deux, moi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Avec le sol vert, non, ça va pas aller. Vert? Mais pourquoi ils ont mis du vert? Ah non, c'est pas vert! On fait pas. Ouais. On va prendre en noir. C'est pas mal ça. C'est jaune. Petite baignoire d'angle. Jacuzzi, les bubules, tout ça. Il y a de la place hein. Là je vais mettre le lavabo. Puis là il y aura les toilettes. Avec la belle vue sur la rue. Genre je fais mon caca et je te regarde ici bas. Très bien en jaune. Ah, oh oui, allez, je le mets. Il est trop mignon. Le petit lavabal rustique. Ah, bon, ça colle pas forcément à ce qu'il y a à côté. Hein, on s'en fout. Ils nous ont pas donné de style, alors on peut tout mélanger. T'es en train de te débattre, Tyrion? Ne meurs pas, mon chaton. Oh, mon grand garçon. Vous savez bien que Tyrion, je peux pas le choper. Hein. C'est un grand timide. Ah, j'ai pas mis le bébé move upset. Voilà, là j'ai mis. Il y a un bébé, faut pouvoir le laver. Bah, dans la cuvette des toilettes, ça suffit. Non? Tu mets d'abord la tête? Après tu mets le cul. Tu passes deux fois la chasse. Ça marche très bien. Hein. Arrêtez de dire des trucs. Hein. Moi, je suis sûre que ça marche. Je suis sûre. Sûre et certaine. Et salut Josie, comment vas-tu? Salut Oniléa, comment allez-vous? Ça va bien? Moi je vais bien. Salut Fanny, comment vas-tu? Je dirais même dans le lavabo. Non, 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 bouf. Non, non, c'est plus rapide dans la cuvette, tu rigoles, oui. Ben, il faut juste attendre que ça recharge l'eau, mais faut ouvrir les robinets à fond, ça va plus vite. Hein. Alors, je sais, parce que je connais pas forcément vos noms et tout, mais je sais qu'il y a quelqu'un sur... Ah merde. Sur Instagram qui m'a mis un message dans ce genre... sur l'image que j'ai partagée aujourd'hui de le teaser où j'ai dit qu'effectivement bon je ne suis personne tout ça machin, voilà, ceux qui l'ont lu comprendront ce que je veux dire. Ah ouais, il est par terre lui. Et j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit on peu importe le nombre et tout ça, peu importe les autres, nous ce qu'on aime c'est que tu mettes des bébés dans le congélateur. Ça m'a fait tellement rigoler. Et ça m'a fait plaisir aussi. Vous êtes des tarés quand même pour me suivre, non? Un petit peu. J'adore les mères indignes, tout à fait. Je crois que ta douche est pas accessible. Si, elle est accessible par là. T'inquiète. Je veille au grain. Donc normalement, il n'y a pas de soucis. Ouais, t'as un joli ridal ici.
parce que c'est ça, c'est comme ça. Ah, on va mettre aussi les... Parce que, il faut que je zoome pour avoir pour mettre le rideau. Ça, on va le mettre... On va le mettre là. Voilà. Et on va mettre les peignoirs, évidemment. Oh, on peut mettre ce peignoir là. Attends. Ah. On va mettre un deuxième. C'est bien, hein. C'est pas super grand, donc en vrai, il n'y a pas 10 000 choses à faire, mais un petit peu de... On assemble, on met de la couleur, ça, ça... On reste dans le blanc et le jaune, je trouve que c'est pas mal. Faut pas oublier le pupitre. J'ai oublié le pupitre. Le PQ de Marie. Marie, j'arrive, j'arrive. Ah oui, mais on n'a pas mis le chiotte encore. Le pot pour le bambin. Non. S'en fout. Il chira dans sa couche. T'as pas fait les photos? Si, si, j'ai fait les photos, Tiff. Miroir, ça suffit. Bon, on verra. Oui, remarque. Ouais, mais eux, quand tu cliques dessus, ils te mettent le pipitre, en fait. Ou l'ordinateur. La machine à... La machine, là. Je sais pas quoi. La machine archivage. Un petit peu de beauté. On va mettre bien sûr une plante. Qu'est-ce que t'as en toilette? Ah bon, je vais mettre ça. Je me souviens, c'était dans les Sims 2 ou 3, je sais plus. Je mettais toujours ce genre de chiottes. Oh, j'aimais bien. Bon, allez, il est là. Ok, j'ai compris. Oh, mais regarde, je sais pas où le mettre. Allez, on va le mettre là. On va prendre à cacater en même temps. Sachant qu'on a encore 5000 euros de... 5000 simflous de budget. Bon, il n'y a pas de toilette qui me plaît. Donc, je vais mettre celui-là parce que c'est celui qui me plaît le plus. On va prendre le blanc, c'est très bien. Voilà, le PQ de Marie. Il est là, il est beau, il est fier. On n'a toujours qu'un seul PQ, par contre, vous imaginez. Celui-là, il colle mieux. Mais mon mari est là, donc je suis obligée de le mettre ce côté-là. Tapis. Les petits, petits petons. Il va vraiment falloir qu'on augmente notre... Ouais, pour qu'on voit plus de choses, parce que j'ai l'impression que comme on n'a pas forcément bien travaillé, ben, on n'accède pas à ce qu'il faut. Oh, et c'est pas mal en vrai, non? Oui, ben, ça t'a vu, t'as vu juste. Des bisous, Oniri. Bah, tu feras un bisou de ma part et passe une bonne soirée, sinon, c'est pas grave. Si tu reviens pas. C'est stylé comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte une touche. Mon mari, elle aime pas, mais Marie, elle aime rien. Elle aime pas. Marie, elle aime pas mon style. C'est pas mal, hein. Ça fait très baroque. Après, ils n'ont pas donné de style, tu vois. Donc, en vrai, ça passe. Par contre, ça manque de déco au mur. Je suis d'accord. Ah, c'est vrai que du coup, je vais le choper à toutes les deux minutes. Je trouve que ça fait vraiment... Après, tu as déjà le carrelage ancien à côté. Ça apporte vachement. Oui, il n'y a plus de musique. Je vais pas mettre jaune parce qu'en vrai, il va me sortir que des... Ah ! Le petit tapis moumoute. Bon, je devrais en mettre deux, mais j'ai pas envie de surcharger. Elle n'est pas en autre couleur, celle-ci. Attendez. Vous préférez en jaune, en moutarde, avec la faïence, enfin l'émail un peu, je sais pas quelle couleur là. Ou bien tout en blanc.
Qu'est-ce que vous préférez? Il n'y a plus de musique, je vais devoir chanter. Oui, plante, t'inquiète. Bonne nuit, Lydie, des bisous. Go manger des bisous. Tu vas manger des bisous, toi? Ça a quel goût, les bisous? Moutarde saucisson. Moutarde, vous êtes quand même plus sur le moutarde. Des bisous, Marie, bonne nuit à toi. Moi aussi, je commence à... fatiguer. Mais on va essayer de tenir les petits. Avec la robinetterie dorée, ça passe. Ouais. Moutarde et saucisson. Attendez quand même, vous êtes beaucoup. Alors, attendez. Moutarde. Un jaune, un blanc, un blanc. Moutarde, moutarde. Blin. J'imagine que robinetterie dorée, ça veut dire blin. Moutarde. Blanc, on est à 5-5. Hein. Vous aimez bien me faire des coups à chaque fois égalité. Hein. Blanc. Merci, Essila. Blanc, du coup, on est à 6. On va rester sur blanc. Voilà. Adjugé vendu. Plus la peine de dire votre avis. Comme ça, c'est fait. Pipi popo. Le pupitre. Les pupitres, le pupitre. Ah, super. Mais putain, mais... Voulez-vous que je mette ça? Eh hey, la place du maître. Le maître de cérémonie. Tatam, tatam, tatam. C'est le président, il va s'exprimer depuis sa salle de bain. Eh hey, à côté des chiottes. Ça, s'il est malade. Parce qu'il sera malveillant aussi, celui-là. À moins que je bouge un peu. Chez les toilettes de la fenêtre. Quoique c'est un peu bizarre quand même. On va mettre le banc en bain près de la fenêtre. Lui on s'en fout. On peut s'exposer son cul. Bah écoutez, recherchez des bains, je suis obligée de le caser là. Hein. Pourquoi c'est dans ce sens là? C'est pas dans l'autre sens? Eh, s'il faut rectifier, s'il faut respecter, on m'a demandé de respecter. Moi je respecte, hein. Je sais pas où mettre ça. Y a pas. La salle de bain était très bien, hein. Et puis là, c'est le drame. Hein. Ah, étrange pipette contre un mur, genre tablette. Bah en fait, vu que t'as la flèche qui passe là, ça me. Je comprends pas comment ils ont fait leur bordel. On voit bien que le Sims, il va se mettre... Voilà, en situation, il va se mettre comme ça. Il va se mettre là. Mais pourquoi la flèche montre par devant? Parce que normalement, ça veut dire que c'est l'accès à l'objet. Une plante, ce serait mieux quand même. Ah oui, non mais... Oui, non mais... Oui, mais ils aiment la recherche et le débat. Le débat dans les toilettes, c'est vraiment super chouette. Du coup, je sais pas comment le mettre. On met à mi-chemin entre les deux. C'est l'heure de la pub que Marine a demandé. Marine a demandé une pub, donc Marine sera exaucée. Donc merci à tous ceux qui reviendront, qui se verront offrir une pub sur leur écran à ma place. C'est mieux que moi, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Et on se retrouve juste après, n'hésitez pas à mettre dans le chat que vous avez une pub, comme ça je saurai qui le voit. Et bah, ça veut dire que vous me soutiendez sans bouger votre cul. Et ça c'est cool, à tout de suite. Toujours un petit peu parce que je me dis qu'avec le décalage. J'ai un mal fou à cliquer sur la plante, la vache. On peut rien mettre dessus, sinon je m'en serais servi comme.
Ça occupe l'espace. Au mieux, c'était pas mal. S'il n'est pas accessible, c'est pas si grave. Ben, face à la fenêtre. Tout à fait. C'est pas du rouge à lèvres. C'est un... Lip balm teinté. Merci, Zunis. Zunais, pour ton follow. Bienvenue à toi. Oh, oui. Il y a Tiff, Maïbou, Ondine et Zunais qui ont leur pub. Merci d'exaucer mon rêve. Face à la fenêtre et les toilettes à la première classe. Ouais. Un poil de chat. Bon, je peux avoir un poil de chat, je les ai pas fait de bisouter. Je peux faire un peu de place. Ou là, comme ça, regardez. Je sais pas s'ils ont vraiment accès, mais... Salut Lucie Fred, comment vas-tu? Merci Josie pour la pub, merci beaucoup. Plein de pubs, t'as vu, je vais devenir riche Marine, merci. Merci Tiff pour avoir vu la pub. Je vais devenir riche grâce à votre dévotion. Pas vrai, hein. Ça rapporte pas tant que ça, mais ça rapporte quelques dollars, hein. Genre 3-4 dollars par mois. C'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on va mettre comme Riddle? Ah, c'est un peu jaune et orange, mais j'ai peur qu'il n'aime pas. En même temps, je pense qu'ils vont pas aimer. Ce que j'ai fait. Je me suis trompée de touche. Attendez, on va descendre sur terre. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ah, c'est un peu haut. Je l'ai placé un peu haut. C'est pas mal. Avec... ouais, je vois bien des étagères avec des produits ici. Et puis c'est bon, hein. Puis c'est marrant. Parce qu'il n'y a pas trop... Il y a plus trop de place maintenant pour une plante. On se met ici et on débat. En se regardant dans la baignoire. En matant les voisins. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je pense pas qu'il soit hyper accessible le truc, mais bon. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit tout le temps. Enfin, ce que... Oui. Surface. Étagère. Mais on peut mettre ça. J'avais oublié. J'ai plus de chats. Ils sont tous barrés. C'est pas comme si j'en avais que deux, mais... Ah, ah ouais, mais ils sont gros. Oh. Oh. Ouais, ils sont vachement profonds. Oh, ça m'embête. On va mettre une penderie au-dessus de la baignoire. Ah, ils sont très très profonds, du coup ça colle pas. Et ça? Remise de tes émotions du trailer. Oui, Lucie Fred, évidemment, je suis obligée, hein. Ah, tu sais, moi je l'ai vu il y a 2 semaines, hein. Pff, ça remonte, hein. Je vais te piquer l'idée du carrelage de ta salle de bain. Bah, c'est vraiment un pur hasard, tu sais. J'ai collé le truc là, j'ai fait « Ah, ça rend bien !» Enfin, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais... Ah, y a pas vraiment jaune. C'est orange. Bon, bah on va se contenter des petites planchounettes toutes simples. Voilà. Comme ça, par exemple. C'est très bien. Tiens, on va la sortir, celle-ci, je sais pas, il y a moyen que... Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Des chaussures!
On veut les chaussures. Ça. Je fouille. Là. Voilà. Là, tu te mets là. Ensuite. Je veux le petit truc mignon, là, avec les petits... Le pot, là. Ça aussi, c'est bien. Oui, c'est pas de la bonne couleur, mais... En vert, allez. Voilà. C'est là que je vais pas le voir. C'est... Sur les murs. Je vais bien. Salut Pyriate, comment vas-tu? C'est du clic sur l'icône de recherche débat, tu peux voir les objets qui s'y rapportent. Il me semble que les miroirs sont... Non. Pas du tout, il y a que les pupitres. Pupitre et machine de recherche, tu sais, l'ordinateur. J'ai pas les miroirs, moi. Ah, c'est ça que je veux. Je viens d'où? Oh, tu sais, c'est un vaste débat. Je viens de la planète Terre. On dirait pas au premier abord, mais si, si. Je suis très très vieille, donc je vous précède tous en âge. Parce que je vous ai vu, votre évolution, vous, petits humains. Moi, je suis clairement au-dessus, mais bon, je me suis dit, vu que là, je me faisais gravement chier depuis quelques millénaires auxquels je suis née, et puis tout ça. Je m'en fous, contrôle, la dernière révélation. Je m'en fous, Epic Games, là. Bah, je veux dire, voilà, pourquoi pas un peu jouer aux Sims, parce que c'est rigolo, quoi. Je peux manipuler les petits humains que je vois tous les jours, quoi. Bougie. Attends, je vais mettre une petite plante, déjà. Ça. Je vais même un peu petite. Voilà. Et une bougeax, pourquoi pas, une bougeax. Petite bougie. Grosse ambiance. Bah alors, je vais pas prendre là-dedans, je vais prendre dans lumière. Aziz. Lumière. Ça. Voilà. Celle-là. Que je vais réduire parce qu'elle est très très grosse. Oui, j'y pense mais je le dis pas parce que c'est vulgaire. On m'a dit Charlie t'es vulgaire. Bonne nuit Toundrat. Toundrat. Non, c'est pas bonne nuit Toundrat, c'est Camille. Ah non, pourquoi? Ça y est, je commence à fatiguer. Bonne nuit Camille, des bisous. Comment ça, tu viens pas de Vénus? Ah non, ça c'est... Ils se sont inspirés de mon trou de balle pour créer cette planète. Ça c'est autre chose. Mais elle est mignonne cette salle de bain. Oui, hein. Peut-être rajouter un truc sur le mur, une toile, un truc... Mais j'aime bien. Elle est mignonne. Oh! On voit le carrelage à travers... C'est un peu bizarre. C'est sûr que là, ils vont avoir... j'avais dit, il manquait quelque chose là, sur ce mur. On va mettre quelque chose sur ce mur. Ah, ce mur enchanteur qui va nous mettre de bonne humeur. On va mettre des poires. C'est moche. Il y a quelqu'un qui aime les poires ici. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui aiment les poires. J'aime pas du tout ça. Pendant des années, j'ai toujours dit que j'aimais pas les poires. Puis j'ai réessayé. Et en fait, j'aime vraiment pas les poires. C'est pas au niveau de la texture, c'est au niveau du goût. Ouais, bon. Mon corps, il a dit c'est quoi cette merde? Donc, je n'ai conclu que je n'aimais pas ça. Parce que mon corps et moi-même faisons qu'un. Donc voilà. Bon, bien, il n'y a rien d'intéressant en toile. Donc je vais ne pas sélectionner jaune. Je vous en dis ça. Non, j'ai mal lu Toundra, excuse-moi. Parce qu'en fait, c'est que j'ai vu Camille qui te remerciait. Et donc j'ai cru que c'était à toi qu'elle disait bonne nuit. Je sais pas pourquoi. J'ai fait le. Non, mais désolé. Ricardo, je me suis trompée. Je me suis trompée.
C'est stupide, je me sers que des miroirs pour cette compétence. Je suis d'accord, moi aussi, mais... Regarde, tu cliques dessus, ils te mettent que ça. Et là, clairement, je peux pas mettre ce genre de truc-là, ni ça dans la salle de bain. Donc voilà, je fais ce que je peux avec ce que... Tu vois, bricolage, par contre, on a ça. Ah bah, il y a ça, il n'y a pas grand-chose. Et en jaune, par contre, il sélectionne... Ah si, il sélectionne des choses. Hein ? Oh, c'est trop mignon. Des petits feuilletons de saule. Bon, alors, je les ai jamais vus. Hein. Pas vous le cacher. C'est cute. Oh, il est mignon, lui. On dirait un Pokémon. Allez, on va rester là-dessus et on va changer la lumière et ce sera bon pour moi. Ça, c'était une lumière pour faire joli. Hein. Ah, ah, c'est un peu trop... ça à manger, ça. On peut mettre des petites lumières là, comme ça. Les petits papillons, là, je sais pas comment c'est. Joli chapeau. Ouais. C'est pas des chapeaux pour moi, mais... Ah, ou ça ? Juste, ça bien, ça. Allez. C'est bon ? Vous êtes content ? Vous aimez ça ? Jaune, recherche et débat. Pas de bricolage. Elle est mignonne ! Ah, tarte pas à chocolat. Alors moi, j'ai un mal fou. Je n'aime pas le mélange des fruits et du chocolat. Je trouve que c'est des choses complètement séparées. Et j'arrive pas à aimer... Quoi, t'aimes pas les poires, je m'en vais. Je suis malveillante. Hein. Ça fait très bling bling quand tu viens du couloir tout triste. Ah bah... Ouais. Ouais, mais bon, j'ai droit qu'à une seule pièce. Alors, sinon, je t'aurais bien refait toute la maison et... on m'a demandé de redécorer, je redécore moi, c'est comme ça. Une petite plante au sol, ben j'ai peur qu'après il n'y ait pas accès, qu'ils soient emmerdés en fait. C'est finalement au niveau du sol, c'est quand même par là sous les serviettes, mais tu vois, même ici, je pense qu'ils ont même pas accès. Bon, moi c'est vous, je suis pas le seul. Je suis pas le seul à pas aimer les poires. Moi j'aime pas Ricardo. Je viens de tester la nouvelle maison sur Phasmo. Oh non, Tinouille! Mais il y a vraiment une nouvelle maison? Oh my god. Allez. On va refaire des photos avant et après. J'avais pris. Alors, j'avais pris d'ici. J'avais pris de là en hauteur et de là en hauteur. Ok. Pâti. Mais non, mais il a la porte ouverte, ce glandu du cul, là. Mais ça c'est moche. Regardez-moi ça. Oh non, bah non, bah non, bah non. Bah non, en fait. C'est bon, la porte est fermée, Jean-Claude. Oh, mais moi, je m'énerve pour pas grand-chose. Hein. C'est mieux. Voilà. On peut y voir quelque chose. Hein. Je vous rappelle qu'il y a devant la fenêtre, il y avait la baignoire et il y avait rien. C'était moche en plus. Ok, on va aller ici. Ah. C'est l'heure de la bagarre pour les chatons. J'ai l'impression. Oh merde, on va avoir la tête dans la plante. Oupsie. On va décaler un petit peu alors. Oh, du coup, il y a tellement de choses qu'on voit plus rien. Ici, hop là, et on va en face. Voilà, on va bien voir. On va voir ce gros truc de pupitre là, mais... On voit bien là. Allez! Ça part! Dévoiler l'espace redécoré au client! Tina! Dire au client de revenir au terrain. Oh, alors! Magnifique. Tac, tac... ça avec ça, ouais, ouais. La différence est quand même dingue. Hein. On voit ça, on voit bien.
J'espère que ça va leur plaire. Oui, tout à fait. Attendez, je vais le... Pour... merde. Pour la miniature. Je sais plus utiliser mes touches. Oh là ! C'est en train de fusionner. Ça fait peur. Bon, bah alors, voilà. Ah oui, c'est vrai. Attendez, comment on fait déjà? Faut cliquer sur lui. Dévoiler les rénovations du client. Voilà. Oh, les rénovations du client, parce qu'on rénove les clients, nous. Tim, j'aime pas les poires. Salut Lali Gaga, comment vas-tu? Allez, c'est là-haut que ça se passe. La magie. Oh non, le gosse qui pleure. Allez ici. Tu peux pas aller ici? Le client attend que la décoration soit dévoilée. Madame! Va changer le cul de ton enfant, là, et m'y reviens après. Elle a marché dans le vide. Vous avez vu, c'est Jésus bis. C'est Jésus qui vole. Attendez. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que je fasse le mode tap parce qu'après on va ça va pas marcher. Oh la vache. C'est quand même mieux. Hein. Je veux pas être méchante, mais bon. Ah bon. Il y a un petit quelque chose quand même, non? Il y a une petite plus-value qui s'est faite là. Wow. N'est-ce pas? Merci Marine. Magnifique. Regardez ça. Ah, il peut pas. Regardez ça, ça y est. Ah punaise, j'espère qu'elles vont être contentes, qu'on va être payées parce que... Merci Lucie Fred, merci Maïbou, vous êtes gentille. Tu es Stéphane Plaza, oui oui, je ne suis pas. Regardez cette magnifique baignoire et cette magnifique douche. Vous pourrez vous laver tout ce que vous voulez, debout ou allongé. Il faut discuter avec les clients, draguer, raconter des ragales un petit peu, et flatter. Toujours flatter dans le sens du poil les clients. Il va fermer sa gueule, lui! Oh! Ah ouais, non, mais bébé qui hurle, bébé qui va finir dans le congèle, hein, moi je te le dis. Hein. Demandez au client son verdict final. Ok, pas de soucis. On va attendre. On va aller étouffer le gamin pendant ce temps-là. Regardez ça, le parquet. Attends, regardez ça, le sol. Incroyable. Je sais pas si elles sont contentes ou pas. Câlin. Ça fait beaucoup de nouveautés. J'ai peur. Quand c'est comme ça, je suis pas sûre que ce soit bien. Demandez le verdict final. Bon, bah elle aime pas. Oh là 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 là. Techniquement, toutes les cages ont été cochées, mais je n'aime pas le résultat. Pourquoi je perds un temps un fou à rater mes missions? Ça va commencer à me casser les couilles. Hein. Moi, je vous le dis, la prochaine, on fait n'importe quoi. Une piscine dans le salon, les transats. Je sens qu'il y a un petit bébé qui va finir orphelin. Elle, elle est contente. Oh, il va fermer sa tronche, lui, je le sens. Mais il a pas fini de pleurer hein, si je tue tout le monde, hein, de toute façon. Oh,
Elle a fait ça comme moi. Il y en a qu'une qui aime bien. On a reçu les thunes quand même. Alors, quand ils aiment bien, il y en a deux qui aiment bien, c'est pas validé. Là, il y en a deux qui aiment pas, c'est validé. I don't understand. 648 simflouz et forte amélioration de la réputation professionnelle. Et ben, on rentre à la baraque parce que, quand même. Un brox en fer. Salut Coco, comment tu vas? Ça, je te remercie qu'on arrive, Coco. Ça va pas du tout, hein. Tu vas avoir une fessée, hein. Je crois qu'il faut demander les goûts de tout le monde dans le foyer pour faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais c'est ce que j'ai fait, Tiff. Je suis allée voir les trois personnes et j'ai posé les questions aux trois personnes. Enfin bref, bon, cela s'est bien passé. Les clients ont l'air de beaucoup aimer le nouvel aménagement. Avoir le sens du détail semble vraiment payant, que ce soit en simflouz ou en réputation. Oh, et les factures viennent de tomber. On va donc payer le loyer. On a toujours monsieur Rodrigo avec ses chaussettes sexy. Ah, sélectionner un contrat. Rénovation d'une pièce, rénovation d'étage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de nouveau? Oh, la witch, c'est... fabuleuse rénovation de salon. Ouais, on n'y est pas encore. C'était une maison de jeu de base que j'avais rajouté un étage et tout. C'est là où j'ai mes sorcières, là, je vous ai parlé la dernière fois. Ça n'a pas l'air très au point comme carrière quand même. Je ne sais pas. J'ai enfin repris le hand vendredi soir, donc je suis là plus tard. Ah, étage, vous êtes sûr? C'est où? Résidentiel. Hein? J'espère juste que c'est pas une énorme baraque, hein, hein, hein. Des bisous, Ricardo. Repose-toi bien. À demain, peut-être. On est good, on est pour l'étage. Alors, on est parti pour l'étage, alors. On est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est beau, surtout dans le chat, ouais, ouais, nanana, nanana. Donc nous, on va continuer la petite vie de cœur. De toute façon, il fait pas grand-chose à part manger, dormir, pisser, se laver. Et nous, on décore. Et on se retrouve pour le prochain épisode YouTube. J'espère que cette petite réno vous aura plu. Prochaine mission, étage. Je pense qu'on va l'enchaîner tout de suite dans ce live. Donc, bon, on verra bien si on fait quelque chose bien ou pas. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais des très gros bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.